Le feuilleton quotidien de TF1 Demain nous appartient faisait son grand retour à l'antenne ce lundi soir après 3 mois d'absence à cause de la pandémie. Les fans ont-ils répondu présent? Quelle audience à la clé? Thomas Brotel, c'était TF1 Demain nous appartient, avait provisoirement quitté l'antenne de TF1 le 16 mars dernier après quelques jours de confinement. Et au revoir avait été suivi par 4,2 millions de fidèles, soit 16,3% du public. Un joli score. Pour son grand retour après 3 mois d'absence, alors que les tournages ont pu reprendre à 7, ce sont 3,5 millions de téléspectateurs qui ont répondu présent ce lundi à 19h10, soit 18,6%. À nouveau un joli score donc. Ainsi, la chaîne repasse devant le jeu de Nagui. N'oubliez pas les paroles sur France 2 qui avait pris la tête des audiences pendant toute cette période et qui a rassemblé cette fois 3,1 millions de téléspectateurs, soit 16,1% du public. Pour rappel, dès cet automne, TF1 lancera un second feuilleton quotidien juste avant Demain nous appartient intitulé Ici tout commence. Love.